c'est un festival qui attire plus de 400 000 personnes par année. C'est un véritable chantier de roulottes et de motorisés quand on se déplace là-bas. Il y a des gens qui viennent de partout à travers le Canada pour cet événement-là, et je dirais même à travers l'Amérique du Nord. Alors, on a rencontré le porte-parole pour une deuxième année, Peter Miles, qui est un chanteur québécois qui fait dans le style country rock. On le laisse s'exprimer là-dessus. No way, no way, no way, I'll go back and just stand. Du 8 au 17 septembre 2000. Qu'est-ce qu'il y a à voir cette année-là? Est-ce qu'il y a des événements en particulier à ne pas manquer? Oui, effectivement. Il y a les rodéos. Les rodéos, c'est ce qui est très, très populaire. Le festival Western Saint-Tite, à ne pas manquer. Et on va faire le lancement de ton premier album pendant le festival. Oui, effectivement. Le mardi 12 septembre, 20h30. On fait mon lancement d'album. C'est mon premier album que je mets sur le marché. Je suis entouré d'une très bonne équipe. Selon moi, c'est du rock and country. C'est plus saveur pop rock qui peut atteindre tout le monde avec une saveur country. Les gens qui aiment cette saveur-là vont être servis à soi. Moi, ce que j'aimerais, c'est rentrer dans des stations de radio, surtout, qui elles, normalement, ne font pas rouler ce genre de chansons-là. C'est intéressant, comme musique. Absolument. N'avez-vous pas raconté un petit incident de parcours pendant cette entrevue-là? Écoutez, on a fait énormément d'entrevues cet été, et les gens ont pu voir ça. Et on vous présente seulement des extraits des entrevues. Vous ne voyez pas tout ce qui se déroule pendant les entrevues. Il y en a des vertes, des pommures et des très amusantes. Et cette fois-ci, on n'a vraiment pas pu passer à côté. On vous offre un petit blooper ce matin. Absolument savoureux. C'est toi qui l'as construit. Ça vient de toi. Il y a quelque chose qui m'a tombé dans la face. Je pense que c'est une mouette. Elle m'a pas manqué pour ça. Elle a dit rien à côté. Je viens de me faire en face. Merci, la mouette. Hey, Ken. On a tout, on conserve tout. Vive la nature. Ken, c'est oui, on parlait justement de ça, c'est bon timing. Ça paraît plus. J'en ai tous moins? Non. Oui. Dans les annales. Hey, donne-moi un break. Non, non, non. Écoute, moi, je trouve ça drôle. Non. Oui. Je l'avais vu, mais on essaie d'être subtil. Hein? Je le voyais répondre, et là, je commence à rire, le micro bouge. Je l'avais. Ah, c'était tout simplement délicieux.